Tout c'est l'un d'année, on se retrouve sur City Game Studio donc pour le sixième épisode, si je me trompe pas. Alors on est parti, on avait lancé notre MMORPG qui avait pas forcément marché. Donc on va faire juste un jeu d'aventure classique. Ça serait bien qu'on fasse la suite d'un genre western. Western 2, il était sorti en 81, en 2005. On va faire un gros jeu. Cette fois-ci on va le sortir par contre. Alors part de marché, ça c'est bien. 42%, mais t'as tellement de jeux de sortie, c'est violent. J'aurais presque envie de faire ça du coup. 111 jeux et 13% de part de marché. Quitte à ce qu'on fasse le portage après. J'hésite un peu là pour le coup. Bon, on va faire ça. On va faire ça, tant pis. Il y a moins de parts de marché, mais il y a beaucoup moins de jeux, donc on devrait beaucoup plus se différencier de la concurrence. Donc on envoie. Donc là, ça y va. J'avais oublié à quel point ça bougeait pas mal. Donc là, on est en train de faire le design. Donc c'est tout bon. En attendant, on a deux studios. Donc le studio maison est en train de faire le portage de notre MMO. Qui ne marche pas des masses. Hein, comme vous pouvez le voir, on est qu'à 57 000. Pourtant, j'ai beau essayer d'en faire de la publicité. Ça diminue trop vite. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, de toute façon, on gagne encore de l'argent. On est à 512 millions. Donc on est peinard. Et là, on va sortir, je pense, à un jeu qui pourra nous relancer dans la course. Ah là, on est en train de perdre de l'argent, mais puissance 30. Ah non, ça va. Finalement, on augmente. Donc ça c'est cool. Le design est en train de se faire tranquillou. Alors quand est-ce qu'on va faire la publicité? C'est tout ça la grosse question. J'attendrai bien le... Oh, une démission, pourquoi? Bonjour, par rapport à je démissionne de mon poche un day d'aujourd'hui. Mince, mon départ s'explique par le fait que j'ai trouvé un nouvel emploi. Ah, c'était Chantal de Nice. Elle était 100% polissage, 80%. Oh non, dommage, elle était douée en plus. Ça embête un peu, du coup, ouais, on doit être complètement... Pff, oh la vache. Ça me met un peu dedans. En plus, forcément... Alors, il me faut plus de polissage, du coup. Forcément en plein développement de jeu, hein, sinon c'est pas drôle. Alors on va engager, bah parfait, hein, parfait. Gilbert Arnaud, tu vas prendre sa place. Allez, on est reparti. Encore une démission, mais c'est pas possible. Encore en polissage. Ah non, c'est la même. Ah non, mais je viens de le mettre, Arnaud de François. Pourquoi il vient de démissionner? Ah non, c'en a encore un autre. Attends, pourquoi tout le monde démissionne là? C'est quoi le délire? Design 100%, mais pourquoi tout le monde démissionne? Attends, le bureau, il est... Encore une démission, mais c'est pas possible, tout le monde se tire. Attends, on va réfléchir parce que là, il va y avoir un truc. Pourquoi tout le monde se tire? Oh, la violence. Le bureau, il a pas assez de bonheur. Ah oui, 37% de bonheur. Non, ah oui, d'accord, faut qu'on améliore le bureau direct. Bah oui, tu m'étonnes, les gens se barrent, ils en peuvent plus. Tu m'étonnes. Alors, on va améliorer le bonheur tout de suite. On va mettre... qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Des distributeurs de café? Ouais, vas-y. Alors, tant pis, même si c'est pas très RP, on va en mettre là. Ok, j'en mets encore un là. Une petite table, une petite tablounette, voilà, ça peut être sympa. Ah, une plante, voilà, une plante ici. J'avais largement la place de la mettre. Une plante là? Non, toujours pas. Ah, ici. Voilà, on perd pas de place. Un peu d'eau, peut-être un distributeur d'eau. Non, on a déjà mis beaucoup de distributeurs d'eau, on va peut-être pas en mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça augmente le bonheur. Un distributeur. Un distributeur ici, à côté des serveurs peut-être. Et là on a combien de bonheur? On est à 70%, les gens vont peut-être moins se tirer. Je voudrais quand même me remonter à 100 pour être tranquille. Encore un distributeur, si je te mets genre là. Voilà, à côté, tu travailles à côté du distributeur. J'en mets un deuxième là. Ça passe pas là, ok. Là ça passe. Donc là on va monter à 90 j'imagine. Ouais, 90%, je vais en mettre un dernier. Je comprends pourquoi les gens se tirent et le problème c'est que c'était que des bons employés. Donc ça m'embête un peu. Puis là on a personne à recruter. C'est bien en plein développement de jeu forcément. Sinon c'est pas drôle. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah c'est les serveurs qu'on fait plomber. Bah oui j'ai eu plein de serveurs donc moins 12%. Mais oui c'est ça. D'accord je comprends mieux. Bah si j'en supprime un parce qu'on n'a pas besoin d'autant de serveurs. Tac. Donc là normalement déjà ça vous redonne un peu d'argent donc c'est tout bon. Et là normalement on devrait monter à 100. 100%, voilà. Ça c'est cool. Par contre, du coup, on en est où quand même? Il nous faudrait plus de polissage, plus de design. Bon, bah très bien. On va essayer de recruter au maximum. Bon, bah en espérant que les autres se tirent pas. Là, on a augmenté leur bonheur, donc logiquement, je devrais avoir beaucoup moins de démissions. Sans faille démissionne, c'est dingue. C'est le titre de la vidéo. Notre paye démissionne. Ça c'est cool. Alors, est-ce qu'on peut débloquer un nouveau genre? On a fait les mondes ouverts. Pour l'instant, on va voir ce qu'on peut faire. Pourquoi pas des jeux de sport, non?
Véhicules non plus, animaux, pourquoi pas, non, pourquoi pas, non, non, je sais pas. Des jeux de drague, ça peut être marrant. Hack and slash, donjon, crook-like, ok, donjon de crawler, on a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs à faire sur ce jeu. Alors, notre portage c'est fait, bah tu vas quand même continuer à bosser, hein. Non, multijoueur en ligne. Ah, il n'y a plus rien en ligne, d'accord, donc je peux plus faire le portage, j'imagine. Bah ouais, ok, et toi du coup, est-ce qu'il y a encore une plateforme en ligne? Non plus. Bon bah il n'y a plus de portage à faire. Bah très bien, c'est pas grave. Tu vas attendre. On est en train de développer la suite. Donc là je pense que je vais pouvoir lancer la mode. On va augmenter un peu les modes. Ça c'est bon. Ah, nouvelle plateforme! Nouvelle plateforme, donc est-ce qu'on peut faire le portage sur la nouvelle plateforme par contre? Non, pas encore. Ah si, si si on peut, bah tu vas faire le portage tout de suite du coup. En plus, il n'y a pas encore de jeu sorti dessus, donc pourquoi pas, ça peut être cool. Vous allez faire le portage, ça c'est bien. Et là, je pense que nous, ça va être temps pour nous qu'on annonce la suite peut-être. Une campagne publicitaire. Allez, on l'annonce. On l'annonce tout de suite. J'espère qu'on l'a pas lancé un peu tôt ou tard. Ça sera peut-être un peu tard du coup, d'après ce que je vois. Bon, c'est pas grave. On envoie. Vaut mieux tard que jamais, de toute façon. Ça c'est bon. Donc ils sont en train de développer le jeu. On est en développement. Est-ce qu'on a des employés à recruter? Alors en développement, je crois qu'on avait assez. Il manquait juste du polissage et du design. Et forcément, c'est ce qu'on n'a pas. On va faire toutes les. Voilà. Toutes les conventions. La publicité pour notre MMO. On est reparti. Même si ça coûte des ronds, c'est pas grave. Et Dragon's Aventure Online, on va le laisser tranquille pour l'instant. Je sais pas si ça vaut le coup honnêtement qu'on paye autant pour, pour un jeu qui a que 5 000 joueurs. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc là on va rentrer dans la phase. Alors ça serait bien qu'on. Là je pense que j'ai trop merdé. Il faudrait que la barre de charge de travail se trouve au milieu à la fin des 3 étapes. On va augmenter un peu les scènes coupées. Voilà. En espérant rétablir au maximum. Donc il y a une petite marge quand même d'erreur acceptée, tolérée on va dire. Mais bon. C'est pas optimal ce qu'on est en train de faire. Donc le polissage est en train de s'effectuer tranquillou. On l'annonce un peu tard je pense. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai toujours du mal à jauger en fait quand est-ce qu'on doit faire le battage médiatique. Ce qui serait bien, ce serait qu'on ait une sorte d'assistant qui nous en parle en fait. Qui nous dit ouais je serai vous, je lancerai la pub, un truc dans le genre. Pour essayer d'être un petit peu plus guidé. Parce qu'on doit quand même pas mal se débrouiller. Après moi ça me plaît, honnêtement je me plais comme ça. Donc voilà, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin, qui apprécient d'être guidées un peu plus. Ok, donc là on fait un peu de pub, donc on va lancer. Oh, on a que 1 000 joueurs. Oh, non mais on va faire qu'on arrête ça. Hein. Même les serveurs, je les paye tous les mois pour rien au final. Bon, il y a une nouvelle console de sortie, donc tu vas peut-être faire le portage. Est-ce que. Donc là, non, par contre. Eh ben c'est pas grave, tu vas pas t'embêter, tu vas faire le portage sur cette console. 5% déjà de part de marché et sur ce MMO. Il nous a quand même rapporté 24 millions, alors que celui-ci nous a rapporté que 4 millions. Hein. Bon. Et beaucoup moins de fans du coup, mais c'est pas grave. Le polissage est en train de se finir. Ah, finalement, niveau battage publicitaire, on est tranquille. Hein. Finalement, c'était pile poil ce qu'il fallait. Hein. Pile poil, je dirais pas pile poil, mais c'était pas naze. Ok, on va le mettre à 50$. On fait le post-mortem. Ça me paraît pas mal. Alors, ouh, 91, 90, c'est bon, 86. Le jeu est bon, le jeu est excellent même. Ça envoie du lourd. Scène coupée, mal réglée, mais c'est pas grave. Et ben là, c'est le moment jamais de faire des portages. Déjà, on va mettre la masse de pubs pour ce jeu. C'est obligatoire. On envoie tout ça. Tac, tac, tac et tac. Ça, c'est cool. Ensuite, donc Western 2. On va faire de la. Bah forcément qu'on va le mettre dans notre convention. Boum. En fait, j'ai l'impression que nos jeux classiques. Quand je dis classique, c'est-à-dire pas les mémos, on rapporte quand même beaucoup plus, on est déjà 13 millions 65. Et on a fait le portage que sur une seule console en plus. Donc bon. 83. On va faire le portage sur cette console-là. Elle me dit bien. Ok, il y a moins de jeux, donc pourquoi pas. Les scènes coupées relativement importantes. On a gagné en plus encore plus des indices. Donc ça c'est cool. Et il nous faudra un troisième studio pour le portage. Hein. Faut que je regarde. Alors, est-ce qu'on peut acheter un autre studio du moins? Est-ce qu'on peut en louer? Donc non, tous les studios sont pris. Alors là on a deux optiques, pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas notre premier studio? On construit, genre il est vraiment à nous quoi. Ici, construire un studio, je voudrais au moins 200, 500 mètres carrés, c'est beaucoup quand même.
150 mètres carrés, ça me paraît peu quand même. Bon, bah, on va attendre un peu d'avoir un peu plus d'argent. De toute façon, ça devrait aller assez vite, logiquement. Ça devrait aller assez vite. Mais j'aurais voulu faire un centre de convention avant, histoire de pouvoir bah, organiser mes propres conventions. Du coup, gagner plus de fans, etc. Ça m'aurait plu, mais tant pis. Donc les gars, vous allez continuer à faire le portage. Après, la maison va arrêter, le studio maison va arrêter de faire le portage sur le du MMO. Et on va essayer de faire le portage sur The Last Master. Ouais, 2 millions on a pris grâce à ça. Donc pourquoi pas. 2 millions, c'est pas énorme, mais bon, nouvelle plateforme, GameStation 3. Ok les gars. Il nous faudrait vraiment un troisième studio par contre. Ça, je démords pas. On va attendre un peu de monter à 100 millions, voir ce qu'on peut acheter au bout de 100 millions. 104 millions, ça c'est bien. Ok, tu vas faire le portage. Port du jeu. Smash Star. Ouais, donc il y a une nouvelle plateforme en ligne. Là, je pense que finalement, ça aurait été là le moment de sortir le jeu en ligne du coup. Mais tant pis, c'est pas grave. Eh bien, 37%, bah tu vas le faire, même s'il y a beaucoup de jeux, donc j'ai pas l'impression que ça va nous rapporter beaucoup, mais tant pis. C'est pas grave, tu vas te faire un portage. Et non, j'ai envie qu'on fasse un... On va gagner du temps. On va construire un autre studio. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va construire notre studio. Ça, c'est cool. Go. 200 mètres carrés, c'est pas mal. 210 mètres carrés. On construit. Boum! Donc ça, c'est notre premier vrai studio. Donc je suis content. On va l'appeler... Comment on va l'appeler? Indépendance... non, un des... Pff, je sais même pas comment l'appeler. Indé, voilà. Indé, c'est bien. Indé. Et du coup, on va essayer de le meubler correctement. Il reste plus que 3, bah, 3,44 millions, donc c'est pas énorme, 3 millions 44. Alors, c'est là-dedans. Meuble automatiquement. On peut avoir 13 bureaux pour l'instant. Ça me paraît pas mal. Donc là, 5% de prod, c'est bon à prendre. Boum, on l'a meublé. Donc bon, et au niveau du bonheur, on est où? 57%. Alors non, je veux pas que les gens se tirent, parce que ça, j'ai eu le cas tout de suite. D'ailleurs, on va voir si on peut recruter des gens. Alors, polissage, on va en avoir un besoin. Design aussi. Développement aussi, du coup. Polissage. Design, design. Ok, donc là, on va pas faire d'erreur. On va aller dans notre studio à nous. Il nous manquait, si je me trompe pas, hein, qu'on soit bien d'accord, du design et du polissage. Donc, assigné. Polissage. Non mais ça c'est déjà des gens qui sont là. Ah, aucun studio. Ah oui d'accord, ok, ils ont aucun studio, faut qu'on regarde. Ok. Donc en police. Alors en polissage t'es bon. Donc on va t'assigner. Ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il nous manque encore. Ah, il nous manque encore du design là à fond. Il nous faut du design. Donc on va essayer d'assigner quelqu'un ici. Ils ont pas de studio ici, donc ça c'est cool. Ah voilà, design, c'est parfait. Encore un peu de polissage peut-être. Encore un peu de polissage pour essayer de vraiment équilibrer l'équipe comme il faut. Développement. Non, design, non, polissage. Ok, et là, ça nous donnerait quelque chose de quasiment équilibré. Encore un peu de design. Et puis on serait pile poil équilibré, donc ça serait cool. Ah, il me reste encore un dernier bureau, donc ça serait génial. Ok, il faut du design. Design, 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 design. Peut-être toi du coup. Vas-y, toi. Ok, là ça nous donnerait... Ah, oh, encore un peu de design, c'est pas grave. Ok, alors quant à un dé, on va mettre tous les gens qui n'ont pas de bureau ici, à ces employés. Ok, ça donne quoi du coup? Ça donne une équipe. Ah, il faut beaucoup de design. Au niveau développement et polissage, c'est bon, il nous faut du design. Donc c'est pas grave, en attendant, vous allez continuer à faire des portages du coup. Vous êtes là uniquement pour faire les portages de base, hein. Donc bon. Voilà, ça c'est bon. Ok. C'est tout bon, on va pouvoir porter nos jeux 3 par 3. Ça devrait aller quand même beaucoup plus vite normalement. Et surtout vu le succès que remporte notre jeu actuellement. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? 67 000. Comment ça se fait qu'on a autant de monde d'un coup? Ah bah c'est le portage sur notre console j'imagine, je sais pas. Bon, pour l'instant on est en train de faire le portage tranquillou. 11 millions. Ça c'est pas mal. Boum, tu vas faire encore un portage, on lâche pas, hein. On ne lâche rien. Peut-être sur notre MMO quand même. Vas-y celui-là, tu vas faire... Ah non, ouf, ah j'hésite. Bon vas-y, fais le portage.
Western, ouais, quasiment 3 millions déjà, hein, dès le début quasiment. Quelque chose près. Donc on commence à regagner de l'oseille assez rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Nos ordinateurs commencent à évoluer, hein. On avait le gros truc au début là, encore sur des écrans plats et tout, donc c'est plutôt cool. Alors là, il nous fallait du design à fond, il nous fallait du design, donc je vais t'engager. Et c'est tout, bah c'est pas grave, je vais te mettre ici. Design. Ah, vous avez un sacré nombre de fans. On peut maintenant éditer les jeux. Ça, c'est grave cool. Alors, plus de bonheur. C'est ça, il nous fallait du bonheur. Donc, je vais mettre quelques distributeurs par-ci, par-là. Genre ici. Hop, on en met deux. C'est qui va nous faire 20% de bonheur en plus. On va remonter à 77, si je me trompe pas. À ça, on va rajouter une petite plante. Il nous faut des plantes. C'est important, les plantes. Voilà, genre ça. Tac, ici. Pour être un petit côté naturel. Une petite table, histoire d'être posée ici, voilà, si tu veux prendre une pause ou quoi. Pourquoi pas un distributeur encore? Ah, dommage, ça passe pas. Bon, on va mettre... Ah, juste ici, ça passerait. Ok, donc plus 10%, ça c'est bien. Ok, ça nous donnerait 89%. On va remettre encore un truc. Moi, je veux vraiment monter à 100% pour éviter que nos employés se tirent, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses, hein, si tout le monde se tire. Heureusement, j'ai réagi assez vite. On va remettre une petite plante ici. Ok. Une imprimante. Même si ça baisse un peu le bonheur, tant pis. On va mettre une imprimante pour gagner un peu de productivité. Ok. Et une machine à café. Là. Une deuxième ici. Parce que je sais qu'ils sont vite accros. Hein. Ils sont vite accros au café. Ok. Donc là, normalement, on devrait être à 100%. Ici, 100%. Maison. Maison, on s'en fout un peu. La maison s'en fout un peu. Ok. Bah, ça, c'est cool. Donc, est-ce qu'on peut recruter encore d'autres personnes? Design, et bah, de toute façon il nous en fallait, donc tu peux y aller. Design, ça donne quoi? Ah, il nous fallait du design à gogo, donc là. Design, tac! Ça devrait augmenter un peu la barre. Ouais, encore du design, il nous manque vraiment beaucoup de design, mais c'est pas grave. Alors, Western 2 a été... On a fait le portage, et bah vous allez continuer les gars. On ne lâche rien, donc là c'est maison. Western 2, on va te mettre là-dessus. Non, là-dessus. Il y a beaucoup moins de jeux. Ça peut être cool. Boum. On envoie. Un dé va finir sur la PlayStation 2. On va faire un peu de pub pour nos MMO aussi. Il faut peut-être qu'on les arrête aussi, voir combien ça nous coûte par mois. C'est lui que je voudrais arrêter quand même. On arrête. Ok. Western 2 est en train de se vendre. Toi, je vais t'arrêter. Parce que là, on n'a pas assez de joueurs. Donc on le ferme. Et même toi du coup va te fermer aussi Smash. Ah quoi que non, il y a un portage qui est en train de se faire. Alors port du jeu. Boum. Bah, déjà tu vas porter Western 2, ouais. Vas-y sur la plus grosse plateforme même s'il y a... Vas-y, tu peux envoyer. Ça c'est cool. Alors, Smash Star. Très bien. C'est en train de se développer à la cool. On a 10 000 joueurs, il sort d'où les 10 000 joueurs? Ah ça, à mon avis c'est grâce à la convention. Moi, petite perso, j'achète un jeu 50$, j'essaie au moins d'y jouer plus d'un mois, quoi. Ça serait quand même cool. Alors, port du jeu. Tu vas nous développer encore Western. On va te mettre là. Tac! Ça envoie, là. Ils n'ont pas le temps de se reposer, par contre. Ça, c'est dommage, mais tant pis. Il nous faut de l'oseille, là. Avec tout ce qu'on vient d'acheter, il nous faut de l'oseille. On va aussi éditer notre premier jeu. Ça, c'est hyper important. Bah, ça, je pense qu'on fera dans l'épisode suivant. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!